Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilona et Julien. Hier soir, alors que le couple était ensemble au restaurant à Monaco, une serveuse a dragué Julien et lui a même donné son numéro de téléphone personnel. Et quand Ilona a découvert ce numéro, elle était littéralement furieuse et a même appelé la serveuse en question. Le couple, sous un ton de colère, a décidé de tout raconter. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater aux prochaines vidéos. Il faut que je vous raconte hier ce qui nous est arrivé. Parce que j'ai pas partagé ça avec vous en fait. J'ai complètement zappé. Ah bon ? Ah oui, oui, complètement. Tu peux le dire ? Ah oui, oui. On était au Beef Bar à Monaco et on prend le van et Jules me regarde dans le van et il me dit il faut que je te dise un truc mais j'attends d'être un peu partie du Beef Bar. Et je le regarde, je dis mais pourquoi ? Il me dit attends. On fait genre 100 mètres et il me dit il y a la serveuse, elle m'a donné son papier. Là ils comprennent déjà que ça peut arriver. Je le regarde, je lui dis hein ? Et en fait il ouvre le papier tout droit. Il ouvre le papier et sur le papier, il y avait marqué Flora 06 je sais pas quoi, en espérant faire ta connaissance. Elle rigolait pas. J'ai dit, ah bon ? Ah bon ? Et genre la serveuse, elle a dit, je suis obligée, je suis désolée, je suis obligée de vous le donner. Elle insiste à fond. Quand il me dit ça, je lui dis, mais c'est une blague. La meuf, on est au resto tous les deux. Pour peu que ce soit une française. Comme elle est écrite, c'était une française, donc elle sait qui on est. D'ailleurs, j'espère que tu regardes mes snaps et que tu vas bien aller te faire et j'ai dit, mais c'est pas possible ce non-respect là. Tu vois des gens, ils sont au resto en couple tranquille. Tu le sais, soit elle nous connaît et là vraiment elle a atteint le sommet de la p***erie, soit ouais, là ici, là c'est full p***. Soit. Elle m'écrirait un MP sur Insta. Non, mais tu la sais que tu lui répondras jamais. Bah oui. Soit elle nous connaît pas, mais de toute façon, elle l'a vu en couple avec moi au resto. C'est pas lâché. Donc, ouais. Donc en fait, aucun respect, genre. Et du coup, je dis, passe-moi le papier. Je vais l'appeler, moi, par contre. Il me regarde comme ça, t'es sûr, t'es pas sûr, parce qu'on sait jamais si elle enregistre la conversation que c'était fait exprès pour que tu pètes un câble et tout. Je t'inquiète, je m'en branle. Et du coup, il me dit, bah, vas-y, appelle. Il me dit, mais crie pas, t'énerve pas, parce qu'on sait jamais, tu vois, s'il faut, c'est une blague et tu passes pour une folle, quoi. Je dis, mais je m'en fous. Une fille, elle donne le numéro à mon mec, et heureusement que j'étais pas au Beef Bar, parce que je lui fais bouffer la viande par le cul. Et de là, je l'appelle, et en fait, ça se voit que je l'appelle en inconnu, et ça se voit qu'elle attend que je parle pour voir. Toi, c'est déjà été avec ses copines à table. Toi, c'est dit, enfin, il m'appelle, je vais pouvoir me faire sauter. Mais en fait, du coup, elle attendait savoir si c'était moi ou si c'était lui. Du coup, elle parle pas. Et elle dit rien. Et puis, en fait, au bout de 5 secondes, elle dit, allô. Et je dis, oui, c'est la meuf avec qui tu veux faire, du mec avec qui tu veux faire connaissance, là. Et là, il n'y a plus personne qui parle. Et je dis, ah, ça y est, là, tu parles plus, t'écris plus des petits mots, là. T'envoies plus des petites lettres. Je comprends pas. Et elle me dit, non, vous avez dû vous tromper. J'ai dit, ah, c'est pas Flora au téléphone là ? Non, pas du tout, vous avez dû vous tromper. Non, j'ai dû me tromper. Là, il n'y a plus personne qui assume par contre. Quand c'est la meuf qui avait, il n'y a plus personne qui assume là. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, ça va, ok. J'ai raccroché, tu vois. Parce que bon, en soi, mon mec, il a été honnête. Je vais pas passer ma soirée à penser à elle. D'ailleurs, Flora, si tu nous regardes, va te faire écraser par un bus. Voilà. Et la putain ne paye jamais. Donc, trouve-toi un mec qui veut de toi et qui n'est pas déjà pris. Merci beaucoup, tu seras mignonne. Voilà. Et surtout qu'il ne mange pas avec sa meuf au resto. Voilà. Elle ose écrire un futur père de famille. Un futur père de famille. Non, mais parce que. Encore si le mec il mange tout seul au resto. Déjà, une meuf qu'elle écrit. Déjà, une meuf, quand même qu'il écrive à une meuf. Bon, ça fait assez mal de choses que je dis. Ça gâche tout. Mais ça reste dans. Mais qu'une meuf écrive à un mec, à part un gros chien de la casse, il vous répondra jamais. Et il prendra pour un soir et pas pour plus. Hein. Je vous le dis, hein, t'écris pas ton nom sur un bout de feuille de commande de restaurant. C'est une nude de poison. Ah ouais, c'est, au pire, envoie ton nude en MP, c'est la même, c'est nude, et puis voilà. Voilà. Mais franchement, ridicule. Et au pire, il mange tout seul. Allez, mais là, de mon respect, j'étais avec lui, quoi. Bref, voilà, passons.